Daphné Fortier et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle capsule vidéo sur notre chaîne YouTube Le Garde Manger de l'École à Source. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter la bibliothèque municipale et le musée d'art de Rouyn-Noranda. Donc aujourd'hui on va interviewer Martine Gélina, responsable des services à la clientèle de Rouyn-Noranda. Bonjour Martine. Bonjour Daphné. Donc aussi c'est quoi vos tarifs de la bibliothèque municipale? Les abonnements sont maintenant gratuits à la bibliothèque municipale. Donc, une personne qui veut s'abonner à la bibliothèque, par exemple, peut emprunter 3 livres à chaque fois qu'il vient. C'est gratuit. S'il y a des gens qui sont vraiment des grands lecteurs et que 3 livres à la fois, c'est pas assez, il y a un abonnement payant qui est disponible aussi, qui coûte 11 $, qui permet d'emprunter 8 livres à chaque visite. En quoi consiste votre travail à la bibliothèque municipale? Bien, en tant que responsable des services à la clientèle, je m'assure que les clients qui viennent à la bibliothèque sont bien servis. Donc, je supervise tout ce qui concerne le comptoir de prêt, les prêts de volume. Je m'occupe aussi d'organiser des activités pédagogiques pour les garderies qui viennent ici, pour les classes qui viennent ici. Donc, je m'amuse beaucoup avec les livres, à proposer des livres puis à organiser des activités toujours en lien avec les livres. Quelques nouveautés qui viennent d'arriver à la bibliothèque municipale. Oui, tout à fait. Je vais commencer par une belle bande dessinée qu'on a dans notre collection ado qui s'appelle Les profs. C'est le tome 21, donc on en a déjà plusieurs dans notre collection. C'est une série qui présente des profs dans une école secondaire. Donc, vous savez, des fois, ça peut mal virer dans une classe. Ça ressemble pas mal à ça comme bande dessinée, c'est très drôle. Alors, je vous parle ensuite de La course, un roman adolescent, où on est dans un pays imaginaire où la Fédération organise à chaque année une course de bolides et le grand gagnant peut demander un souhait, le souhait de son choix. Donc, on est un peu dans le style Hunger Games, labyrinthe, compétition. C'est vraiment très intéressant. Ça se lit tout seul. J'ai aussi une belle proposition pour vous. C'est une nouvelle collection qu'on a dans la bibliothèque. On a 4 livres en ce moment. C'est la collection Ready. C'est une collection de livres dont vous êtes le héros. Sauf que ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la science-fiction, dans les dragons, puis tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc, on en a un où c'est une fille qui se fait kidnapper, qu'est-ce qui va arriver, c'est à nous de choisir. Il y en a un autre où c'est une invasion de zombies, qu'est-ce qui va arriver, c'est à nous de choisir. Donc, un nouveau genre de livre dont vous êtes le héros. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter plusieurs livres de votre collection adulte? Oui, tout à fait. D'abord, je dois dire que même si c'est des livres dans la collection adulte, quand on a une carte étudiante, on peut emprunter des livres dans cette collection-là. C'est pour ça qu'on s'en parle. Donc, une nouvelle bande dessinée qui vient tout juste d'arriver à la bibliothèque, Emma Cake Cup, qui est une YouTubeuse qui fait maintenant des bandes dessinées. Donc, c'est très drôle. Elle se présente comme présentant ses narines à tout le monde sur YouTube. Donc, c'est une belle bande dessinée à découvrir. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce roman Erreur 404? Oui, Erreur 404, c'est l'histoire d'un ado qui veut devenir gamer professionnel. Il rentre dans un tournoi, puis le grand prix, c'est d'être engagé dans une boîte de production de jeux vidéo. Donc, évidemment, c'est pas le seul qui veut faire ça. Il y a beaucoup de compétitions. Il va y arriver un paquet de trucs. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage de Le Dernier Hiver? Oui, Le Dernier Hiver, c'est un livre de fantasy. C'est un style qu'on retrouve un peu moins chez les adultes, qui est super intéressant. Puis, ce que je voulais vous présenter aussi à l'intérieur, c'est que c'est un roman qui est imagé. Donc, on n'a pas juste de l'écriture, il y a beaucoup d'illustrations aussi à l'intérieur qui font que c'est beaucoup plus agréable à lire. Donc, c'est quoi les différents services qui sont offerts à la bibliothèque municipale? Bien, d'abord, on prête des livres. Hein? C'est la raison d'être d'une bibliothèque. On prête pas juste des livres, on prête aussi des jeux de société.
Et on a aussi des locations de CD, de musique, des séries télé, des films. Puis d'ailleurs, on a des télés sur place pour les gens qui veulent visionner les films, les séries télé directement à la bibliothèque. Donc, merci infiniment de nous avoir accueillis dans votre merveilleuse bibliothèque. Ça me fait plaisir, puis j'espère vous voir nombreux.